Eh bien, écoutez, bienvenue à la boutique Potemkin. On est très heureux de vous accueillir. Je crois que c'est la première rencontre de l'année 2023. Et pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, nous sommes éditeurs DVD depuis une quinzaine d'années. Et régulièrement, on fait des rencontres depuis une petite dizaine d'années. On accueille régulièrement des réalisateurs, des critiques, des essayistes, des comédiens. Autour du cinéma, autour des choses qui nous plaisent. Et puis on profite de sorties DVD, de sorties Blu-ray, d'une petite actualité pour avoir ce moment d'échange, de discussion. Et puis après, il y aura une petite dédicace qu'on fera ici, là pour le coup. On ne sera pas vers la grande table, on la fera ici dans notre petit cocon. Et on est très heureux ce soir d'avoir avec nous comme réalisateur Bertrand Mandicot. Ça n'est pas la première fois que tu viens, Bertrand, et qu'on t'accueille. Donc à chaque fois, c'est une sorte de rendez-vous renouvelé comme ça, qui accompagne tes films, tes œuvres, et puis surtout, ce sont toujours des objets. Je sais que c'est important pour toi d'avoir que tes films existent sous forme de DVD, de Blu-ray, c'est accompagné, on en parlera. Et puis il y a la réédition très beau Blu-ray aussi des Garçons Sauvages qui va sortir dans quelques jours et qu'on a ici en avant-première. Donc tu dédicaceras. Alors moi je conseille à tout le monde quand même, pas seulement d'acheter les DVD, mais de vous faire une dédicace par Bertrand, c'est quand même quelque chose. C'est un très très beau et très très bon dédicaceur. C'est une nouvelle fonction, pas mal. Ça sera à rajouter sur ton. Et puis avec nous, Paco Mtilman, que tu es déjà venu à la boutique à plusieurs reprises. Tu es essayiste. Moi je suis toujours les livres. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as écrit sur, si on reste dans le champ du cinéma, sur la série Les Leftovers, sur Twin Peaks. On t'avait fait venir sur la saison 3 de Twin Peaks, je me rappelle de cette rencontre assez épique. Moi je me rappelle de ça, où tu étais incollable tu avais cette saison 3 qui est quand même une saison totalement folle, tout en tête. Moi je sais pas pour ceux qui étaient là. J'avais vu 18 fois. Et puis surtout, tu suis aussi le travail de Bertrand, je crois. Je crois que dans la vie, vous êtes amis quand même. On peut le dire. Oui. On est surtout, tu t'intéresses et tu suis de près son travail. Oui. Comment est-ce que tu as découvert Bertrand d'ailleurs, le travail de Bertrand? Alors tu vas prendre le micro. Ça sera une ancienne matière. On s'est rencontrés chez une amie commune il y a pas mal d'années maintenant. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Quasiment, très facile. Enfin, la semaine des attentats, peut-être pas le lendemain exactement, mais vraiment pas loin. Oui, c'est un truc dont on se souvient facilement. ça allait très très vite. Découverte du cinéma, la rencontre, l'amitié, puis écrire des textes aussi sur les films de Bertrand. Que ce soit des textes. J'en écris plein, mais d'abord des petits, puis j'ai fait même une plaquette sur Bertrand, qui est chez une éditrice qui a plein de noms différents, mais là c'est sous la forme Derrière la salle de bain. C'est une femme qui s'appelle Marie-Laure Dagois. Vous pouvez trouver ses livres uniquement par internet parce qu'elle vend tout par correspondance. Et j'ai fait plusieurs livres chez elle, dont des petits livres, dont un qui s'appelle Apocalypse Bertrand Mandicot. Écrit. Et quel est le premier film que tu as vu de Bertrand? Quel est le premier contact que tu as eu avec son univers? C'était Borrow in the Box. Borrow in the Box, ouais. Ça a été un coup de foudre. Ouais. Je suis devenu fan en une minute de film. Puis après, la suite, c'est aller de merveille en merveille. Donc, de toute façon, ça n'a fait que monter. Alors Bertrand, moi je t'avais fait venir d'ailleurs pour ce premier coffret dans lequel il y a Borrow in the Box, qui était un très très bel hommage à ce cinéaste. Il y a Valérie Brochek, C'est ça. Et puis depuis, tu étais venu pour Les Garçons Sauvages, ça c'est certain. Puisque là ce soir on va parler, je ne l'ai peut-être pas montré, mais on va parler d'After Blue, le dernier long métrage de Bertrand. Et ton précédent, celui qui t'a
aussi fait connaître quand même d'un public plus large, hein, c'était Les Garçons Sauvages. Oui, oui, exactement. Oui, oui, il y a eu plusieurs coffrets qui sont des recueils de mes courts et moyens métrages qui sont sortis chez Malavida. Et puis ensuite, avec UFO, qui distribue également mes films en salle, Les Garçons Sauvages, un coffret, c'est j'ai un trou de mémoire, Ultra Pulpe, mmh. Voilà, et qui contient ce moyen-métrage et d'autres courts-métrages, et puis le dernier né, After Blue. Alors Les Garçons Sauvages, c'est une réédition, parce que la première édition, qui était assez différente, est épuisée. Mmh. Donc voilà, il y a une magnifique réédition chromée. Je suis ravi de pouvoir venir parler de ces éditions de films, parce que pour moi c'est à la fois une deuxième vie pour les films, hein, puisque la première vie c'est la sortie en salle, mais c'est aussi une première vie parce que l'édition aussi est une autre façon de consommer le cinéma. En tout cas moi je suis un gros consommateur de DVD et de Blu-ray, gros collectionneur malheureusement pour mon portefeuille de DVD et Blu-ray, et c'est un autre rapport au film que j'aime beaucoup, qui est très important. Donc c'est super de pouvoir concrétiser cette sortie ici ce soir. On s'était quitté sur Les Garçons Sauvages, on arrive sur... je pars des Garçons Sauvages. Ouais. Pour rester dans le format long métrage, et parle-nous peut-être du projet After Blue, dont on voit certaines images derrière nous. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Bertrand, on associe souvent des mots d'étranges, d'organiques. On est dans un western, même si ça se parle du coup. La première image, aux premières images qu'on voit. Mais alors, raconte-nous un peu la genèse de ce film-là. Est-ce qu'il était dans les tiroirs depuis longtemps? Est-ce que tu avais envie de coller un peu à ce genre, même si dans mes souvenirs, dans certains de tes films, le genre western a toujours été plus ou moins présent. Oui, j'avais fait un court-métrage intitulé Il dit qu'il est mort, où j'avais un peu revisité le western. Alors, c'est un projet assez ancien, qui est antérieur au Garçon Sauvage, qui est un film que j'avais écrit il y a de longues années, et j'avais commencé à travailler sur le montage financier de ce film. On avait commencé à avoir des aides et un casting aussi. Et ce film, c'est ce qui arrive souvent, enfin ce projet s'est cassé la figure, n'a pas pu voir le jour, et j'en ai pas fait le deuil, mais j'ai commencé à travailler sur d'autres projets. Et ce qui est très particulier aussi par rapport à ce projet originel, qui était beaucoup plus sec dans son écriture, et qui se passait au début du siècle dernier en Amérique du Nord, donc qui était littéralement un western avec des pionniers, c'est que le casting originel de ce film, qui était constitué d'actrices et d'acteurs que j'adorais, ce casting, je l'ai vu disparaître. C'est-à-dire que ces acteurs sont morts les uns après les autres, ce qui était assez douloureux. Ce qui était assez douloureux pour moi, parce que certains étaient des amis, et je devenait même, j'avais l'impression que c'était presque une malédiction, quoi. Alors, il y avait Guillaume Depardieu, Katia Golubeva, Maurice Garrel, Tina Aumont, bref. Voilà, Edith Scott, ouais, exactement. Le casting était inversé aussi. C'était plutôt un monde relativement masculin, c'est une inversion par rapport aux distributions de rôles que j'ai. Préciser que la distribution est dans sa majorité, c'est un western au féminin. Quoi. Exactement. Et là, il y avait moins de personnages féminins. Donc je voulais pas me résigner, me dire c'est un film maudit. Et puis après j'ai fait Les Garçons Sauvages, et quand j'ai terminé Les Garçons Sauvages, que j'ai pensé à la suite, je me suis dit non, mais c'est ce western que je vais réactiver, ressusciter,
inversé dans les genres et aussi en faire une créature mutante, quoi. Parce que moi-même j'étais pas devenu un mutant entre temps, mais j'avais pas mal évolué et mon parcours cinématographique m'avait amené ailleurs, vers un cinéma plus baroque, un cinéma d'hybridation, et donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, comment j'ai envie de traiter ce western, mais ce western je vais le transposer dans un futur, en faire une fable écologique, imaginer féministe. Voilà, et laisser aussi presque, et une question qui restait en suspens à la fin des Garçons Sauvages, c'était l'avenir des femmes, l'avenir des sorcières, avec mes personnages qui s'étaient transformés, qui allaient conquérir le monde comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer cette extrapolation, faire une ellipse en quelque sorte, dire qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard, quoi. Voilà. J'ai une question. Le film, au départ, la première fois que tu l'avais écrit, donc il y a pas mal d'années, il ne s'appelait pas encore After Blue. Non. Non, il s'appelait J'ai tué Frank Red. J'ai tué Frank Red. Donc Frank Red était le Kate Bush. Enfin, oui. Parce que Kate Bush étant le personnage qui sort du sable comme un personnage des mille et une nuits, comme un mauvais génie. Et là, c'était un personnage qui s'appelait Frank Red. Et qui devait être joué par Guillaume Depardieu. Et l'autre question, c'est que c'était pas de la science-fiction non plus. Ben non, il y avait une dimension fantastique et une dimension onirique. Mais ça se passait vraiment. Enfin, je jouais vraiment le jeu du début du XXe siècle avec des pionniers, etc. Des communautés françaises, communautés polonaises, allemandes, comme c'était en Amérique du Nord. Mais vraiment avec quelque chose de très très sec dans ce que j'avais imaginé, moins flamboyant, beaucoup moins flamboyant. Juste un mot sur ce personnage de Kate Bush, donc qui est une comment tu l'importes un peu dans ton dans ta galaxie de personnages déjà. Je crois qu'on avait eu une conversation à la fin d'une rencontre sur Kate Bush. Quand tu étais venu, on avait fini la conversation autour d'une bière et tu avais été intéressable sur Kate Bush. Okay. Déjà Bertrand sur Kate Bush et après Paco. Okay. Quand j'ai adapté mon scénario, parce que j'ai fait une adaptation de mon propre scénario à ce que j'étais devenu, quoi, en quelque sorte. Donc quand j'ai fait mon adaptation et que j'ai rebattu les cartes, comme on dit, ce personnage emblématique du mauvais génie qui sort du sable comme ça, je voulais qu'elle ait un nom qui claque, qui parle à tout le monde. Et en même temps, comme je travaillais sur l'idée du futur, et j'avais en tête, je crois que c'est le côté ensablé, hein, qui m'avait amené cette image. Dans la première version de La Planète des Singes, à l'issue du film, Charlton Heston se promène sur une plage et découvre les restes de la Statue de la Liberté ensablée. Et donc, tout d'un coup, il prend conscience qu'il est sur la planète Terre, et ce qui reste de la planète Terre, c'est cette Statue de la Liberté ensablée, c'est une trace du passé. Et moi, j'avais envie aussi qu'il y ait une trace du passé, mais travailler sur l'idée d'une trace de la culture pop, on pourrait dire. Et donc c'est un personnage qui s'appelle Katerina Bukowski, qui a réduit son nom et qui a décidé de s'appeler Kate Bush. C'est un nom qui continuait à résonner dans le futur et elle a pris ce patronyme sans savoir trop ce que ça voulait dire. Alors ce qui était amusant, c'est que quand j'ai trouvé ce nom, enfin c'est une idée, hein, de Kate Bush. Kate Bush n'était pas tout à fait revenu à la mode. Et il y a plein de gens qui me disaient « Ok, t'as pris Kate Bush, mais t'aurais pu prendre Madonna. » C'était quand même... je dis « Ouais, mais Kate Bush, qu'est-ce qui te dit que ça ne va pas revenir ?» etc. Bon, voilà. Alors, l'avenir proche m'a donné raison, puisque depuis Stranger Things, il y a toute une jeune génération qui découvre Kate Bush et qui adore Kate Bush. Donc, ce nom continue à résonner, peut-être continuera à résonner longtemps. Mais il y a aussi le personnage qui s'appelle Roxy. Oui. C'est pour Roxy Music ? C'est Roxy Music, ouais. Oui, c'est comme ça, j'ai pas mal. Enfin, après, je me suis arrêté là, hein, mais j'ai beaucoup joué avec ces figures pop importantes pour moi. Ouais. T'as joué avec ces figures pop et puis t'as aussi joué avec les noms de marques de vêtements pour les armes. Ben oui, ça c'est quelque chose qui m'a m'amusait beaucoup parce que. À une époque où certains cinéastes se font financer des films par des grandes marques, etc. Et ça leur pose pas beaucoup de problèmes déontologiques.
Et moi, je me suis dit, tiens, bah, les, peut-être que les marques dans l'avenir vont muter, vont s'adapter au marché et vont peut-être produire des armes prêtes à tout. Et puis, ça voudrait dire que les armes auraient des noms de grandes marques comme ça, de couture. Donc voilà, j'ai joué avec cette, cette idée poussée, poussée à son paroxysme. Ouais. Autant dire que je n'ai pas été sponsorisé pour ce. Mais. Ton cinéma, et c'est vrai que je faisais venir aussi Yann Gonzalez, et vous êtes un peu de la même, un peu de la même famille de cinéastes, où le, ben, évidemment la pop culture est importante, mais évidemment l'histoire du cinéma est très importante pour vous, et vous avez une façon de vous en nourrir, de vous en comment dire, d'accoucher de votre cinéma grâce au cinéma aussi, aux films que vous avez vus. Et quand on voit des films, évidemment, évidemment qu'on a énormément voilà, d'autres films comme ça, de noms de films qui surgissent, sans que ce soit comme ça des évidences, mais on sent qu'il y a, voilà, t'es biberonné ou tu as eu quelque chose comme ça, je sais pas comment tu as régurgité ça, mais en tout cas, ce sont des sortes d'hommages et voilà, de déclarations d'amour un peu à chaque fois. Donc parle-nous un peu de ça et parle-nous de ça dans After Blue. Disons que. Oui, je fais tout pour essayer d'avoir une bonne digestion, et c'est plus une convocation, quoi. Je convoque des films, hein. J'ai l'impression de faire du spiritisme, hein. Quand je fais des films, je vais vraiment convoquer des films anciens qui m'ont marqué. De la même façon, je vais convoquer des cinéastes, hein, sur le tournage, quand je suis coincé par rapport à une situation, en disant qu'est-ce qu'aurait fait machin, qu'est-ce qu'aurait fait telle personne. Je les convoque vraiment pour qu'ils m'aident, quoi, comme on peut mettre des bougies dans une église sur un verre des saints. J'ai été nourri de plein de films, et quand je me lance dans une écriture comme ça, j'établis un récit, j'établis un univers, et après je vérifie ce qui reste, les traces qui peuvent rester par rapport à est-ce que je suis en train de citer ouvertement un film ou pas, etc., parce que je veux pouvoir doser ça. C'est mon inconscient qui travaille à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que pendant l'écriture, je me dis pas, tiens, là, je vais citer telle et telle personne. Non, c'est après coup que j'analyse ça et j'essaye de polir tout ça, faire en sorte que ça soit pas trop grossier, d'assumer certaines choses, etc. Je suis le premier étonné de voir ressurgir des morceaux comme ça. Et après, je travaille en assumant ça, en ne jouant pas au cinéaste amnésique, mais au cinéaste qui a vu et qui se souvient. Mais là, et par exemple, là, dans After Blue, s'il y avait, je sais pas, 5 noms qui viendraient comme des évidences. Il y a la plaine sauvage de Topor et Lalou, il y a ce Soleil vert de Fleischer, il y a John McCabe and Miss Miller de Halsman. Voilà, 3 noms déjà, c'est pas mal. C'est pas non plus un concours, s'il en donne pas 5, c'est pas grave. Non, mais il en a donné 10 par mail, c'est pour ça que c'est... Oui, non, ça c'était l'exercice des films qui ont un rapport plus ou moins direct avec il y avait Mario Bava aussi, oui, dans la façon de filmer et de faire des images audacieuses avec des moyens un peu restreints. Le travail sur la couleur, je me souviens même plus de la liste que je t'ai donnée. Mais en tout cas, oui, il y a Schmidt aussi, qui est un cinéaste tchèque, qui a fait le mois de juillet dans l'hôtel Ozone, qui est un film assez étonnant, un film d'anticipation post-apocalyptique dans un monde où il n'y a plus que des femmes. Et c'est comme un western, c'est une errance comme ça dans des paysages yougoslaves, tchèques. Et le film est très très beau aussi. Je suis ravi que Malavida est ressorti là, parce que c'est vraiment un film à découvrir, quoi. Il y avait la clepsydre de Volpasse. Oui, aussi, dans le côté baroque et lyrique, quoi, qui me touche beaucoup. Le travail sur les plans séquences. Ouais. J'avais une question à te poser par rapport à une tonalité du film qui est. À la différence, dans Les Garçons Sauvages et dans certains de tes courts-métrages, il y a de la cruauté. Inutile de dire que dans les films qui vont suivre, après, il y a de la cruauté. Mais dans After Blue, au contraire, on a l'impression que c'est un film qui essaye d'éviter le sang versé, quoi. Qui essaye d'éviter au maximum
Déchaînement de la violence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu ailles vers un film beaucoup plus tendre, affectueux, avec des personnages profondément aimables? Ben, j'avais envie de douceur et de sucre, hein. Et puis aussi montrer des anti-héroïnes. Mmh. Enfin, en même temps, le personnage que joue Elina Levinson est une anti-héroïne. Mmh. Mais c'est à la fois une mère courage et un père lâche, quoi. Elle a ses deux pendants. Et il y a vraiment un geyser de violence au tout début du film, quand Kate Bush sort du sable. Mmh. Mais après, c'est beaucoup plus contenu pendant tout le long du film. Et c'est aussi quelque chose qui est présent dans Les Garçons Sauvages, même si la violence est là, c'est le rapport à la vengeance. La vengeance, c'est une espèce de vieux ressort rouillé du cinéma, m'emmerde royalement. Et on est dans un monde où finalement ce ressort-là, qui nous est resservi à chaque film, enfin souvent en tout cas, pourtant la vengeance peut être vue comme quelque chose de dégueulasse, de primaire, etc. Alors moi j'essaye de désamorcer cette notion de vengeance. Dans Les Garçons Sauvages, il y avait l'idée d'une vengeance, que la société se venge sur les garçons qui ont violenté, violé, tué cette prof. Et en réalité, la punition devient plutôt un révélateur ou révélatrice de qu'est-ce que je suis, comment je suis, qu'est-ce que je peux devenir, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme, etc. Donc ça va plus questionner les personnages et les transformer. La vengeance, le personnage d'Elina est censé venger la communauté qui a subi une perte d'enfants, comme ça, de jeunes gens. Par la libération de Kate Bush, et finalement va négocier avec la méchante, en quelque sorte, pour amener un faux corps comme ça, pour faire croire qu'elle l'a vengé, mais ce qu'elle ne fera pas. Et finalement ce refus de vengeance va passer par un autre tuyau, c'est apaiser les morts, discuter avec les morts et réconforter les morts. Si je n'abuse, c'est le premier film du reste où la question de dialogue avec les morts est chez toi affrontée de façon aussi directe. Il y avait Ultra Pulp avant. Ultra Pulp. Où le personnage de Nathalie Richard ressurgissait du monde des morts pour parler d'elle, de son rapport aux morts. Oui, ouais. Oui, avec Rodive qui est le téléphone avec les morts. C'est vrai, ça commence là. C'était là. Mais effectivement, là, c'était aussi l'autre partie qui n'était pas présente dans le projet original, c'est le monde des morts. Ah, c'est, oui. C'est quelque chose qui est venu dans cette nouvelle écriture. Tout d'un coup, les amis tués sur la plage vont réapparaître à Roxy, vont la hanter. Mais ce sont des âmes perdues, quoi, qui au début font un peu peur et puis finalement demandent de l'aide. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé de travailler sur cette question-là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert progressivement, ou est-ce quelque chose que tu savais plus ou moins avant, qu'il y avait cette dimension-là aussi dans le cinéma de Fellini? On va dire la dimension, la grande présence des morts. Non, ça c'est quelque chose qui me fascine chez Fellini, qui est un cinéaste que nous aimons tous les deux beaucoup. Oui. Et Fellini, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, on peut dire qu'à la Dolce Vita il y a une scission et il y a une deuxième carrière qui s'ouvre à Fellini, qui est une carrière sous l'influence à la fois de la psychanalyse jungienne et de son rapport avec un médium qui s'appelait Roll et qui lui a révélé l'autre monde. Et donc, avec Juliette des Esprits, qui est ouvertement un jeu avec les esprits, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous ces films. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui me touche beaucoup chez lui, qui me questionne beaucoup. Et c'est vrai que oui, il y a forcément un lien, une influence, et quelque chose qui m'est apparu aussi. Ouais. Voilà. Oui, et puis... régulièrement, en tout cas dans tes films, tu laisses une espèce de props félinien quelque part, comme un bout de statue ou un truc comme ça. C'est pas directement des citations, quoi. C'est plus proche de,
on va dire, de rattraper un petit morceau de son univers. Oui. Fellini, j'ai besoin de mettre un morceau de Fellini. Mais discret, quoi. Ouais. Et ça, c'était aussi une autre influence. Et je te l'ai pas dit en plus, je t'ai pas mise dans la liste. Alors que pour moi, c'était une énorme influence. C'était le Satyricon de Fellini. Parce que Fellini avait le désir de faire un film de science-fiction. Moi, c'est un film qui ce projet-là m'a beaucoup fait rêver. Et dans 8 et demi, d'ailleurs, le personnage principal, donc son double, est en train de faire un film de science-fiction. On voit les fusées, on voit une sculpture d'un extraterrestre qui traîne dans une chambre. Enfin bon, il y a les traces de ce film en devenir. Il a été question que Fellini fasse Flash Gordon. Et au moment du Satyricon, il prépare un film de science-fiction. Et finalement, il va changer son fusil d'épaule, faire un film antique, mais un film antique sous l'influence de la SF, quoi, traité comme un film de science-fiction. Et donc, la façon dont Fellini a travaillé le studio en mêlant des extérieurs et des intérieurs, a travaillé la couleur, aussi a travaillé la question queer, parce que c'était très très présent parce qu'on a une vision d'un mec hétéronormé. Oui et non, parce que le Satyricon, c'est un film ultra queer. Et de la même façon, Toby Dalmitte aussi. Donc ça, c'est vraiment ces deux expérimentations comme ça, et qui sont mes films préférés. C'est difficile de dire les films préférés, mais en fait, c'est les films que j'adore de Fellini. Et donc ça a été un modèle pour moi, un modèle dans la conception et la fabrication des décors. C'est se dire comment... je vais créer un autre monde, créer une esthétique qui va renvoyer à la culture métal hurlant, à plein de choses qui ont déjà été faites, mais comment je vais essayer de renouveler le genre en même temps avec les moyens que j'ai, hein, parce que j'ai des moyens de cinéaste qui fait des films d'auteur, quoi, normalement dans un café, dans un appartement parisien. Comment on va faire pour jouer avec les contraintes et travailler aussi les extérieurs, hein, comme si c'était du studio, parce qu'en amenant des éléments construits qui vont venir se greffer sur des éléments naturels et créer cette différence, quoi, enfin ce petit plus qui va, on va se dire tiens, on est ailleurs, et éclairer les extérieurs comme si c'était du studio, avec des éclairages extrêmement colorés, avec des filtres devant les optiques, etc. Je crois que Pascal Granel est présent ici, qui a cherché. Je l'ai vu un moment passer au loin. Il se cache. Voilà. Ça a été pour Pascal très très compliqué, hein, de faire ça dans des conditions assez difficiles. Il faut dire qu'on a eu droit à toutes les intempéries possibles et imaginables. Ouais, où est-ce que vous avez tourné ? On a tourné sur le plateau de Mille Vaches, dans le Limousin, pour toutes les parties forêts. On a tourné en Auvergne, dans les résidus d'un ancien volcan, comme ça, pour tout le côté qui est très montagneux. Et puis, du côté de la Tremblade, pour les plages, et c'était en hiver, il y avait des tempêtes épouvantables quand on a tourné sur les plages, tous les décors s'envolaient, il y avait des gens qui se cassaient, des gens, enfin c'était, au début c'était un enfer, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, j'étais vraiment dépité, quoi. La première semaine c'était la caméra qui tombait tout le temps en panne, des histoires pas possibles. Et l'équipe c'était très dur pour eux, parce que financièrement c'était dur aussi, enfin bon, donc je me suis dit je vais les perdre, et puis finalement non, ils sont restés et ils se sont même pris d'amour pour ce film, pour cet univers. Et la deuxième partie du tournage, puisqu'il y a eu la trêve de Noël, la deuxième partie du tournage était en décor construit dans des anciens entrepôts qui étaient du côté de Brive. Donc on avait transformé en studio. Comme moi je prends pas de son direct, hein. C'était assez bruyant, mais on pouvait faire tout ce qu'on voulait dans ce truc, qui était devenu une sorte de grand Luna Park délirant, avec tous ces décors en carton-pâte, mais c'était pas vraiment du carton-pâte, en réalité c'est du plâtre, on avait travaillé sur des matériaux comme ça, avec tous les décors en enfilade. Et là on s'est perdu dans la deuxième partie du tournage, dans ce monde d'After Blue, et quand ça s'est arrêté, ben personne ne voulait que ça s'arrête, quoi. Je me souviens de ça, on avait fait des grandes fêtes, on était tous en bleu, enfin, c'était assez, on était perdus dans notre univers, qui était un monde en soi,
Et au sortir du tournage, le virus est arrivé, le Covid est arrivé. Voilà, c'est normalement mes personnages étaient censés porter tout le temps des masques. Puisque j'avais imaginé que cette planète était pleine de particules toxiques, donc on avait fabriqué des masques transparents qu'on voit un petit peu dans le film avec des systèmes de lumière à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, mais c'est chiant ces masques. On voit pas les visages des actrices, même s'ils sont transparents. Donc je vais les virer. Finalement, on les verra beaucoup moins. Et je suis pas mécontent de ça. La plupart de tes tournages ont été épiques, non? Celui des garçons sauvages était particulièrement. Est-ce que tu trouves qu'il y a, malgré que ça doit être juste très très pénible à vivre sur le moment, il n'y a pas quelque chose qui laisse une trace dans les films? Ah ben oui, bien sûr. Après, je suis pas maso aussi. Ça se passait très bien. C'est ça, je serais ravi aussi. Hein. Mais disons que cette dureté, ces éléments difficiles, puisque. À La Réunion, c'était assez difficile aussi. Le manque de moyens par rapport à l'ambition du film. Enfin bon, et puis plein de trucs pas possibles, rocambolesques qui nous arrivent sur les tournages, font que ça crée une aventure humaine et artistique extrêmement intense, quoi, qui m'épuise. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible. Hein. Comment je vais survivre à ça? Après ça, plus rien ne peut m'arriver de pire. Alors à chaque fois, je me dis, le pire m'est arrivé sur ce tournage. La prochaine fois, ça va être du beurre. Et puis non, la fois d'après, il m'arrive. J'avais pas imaginé, qu'il n'y avait pas prévu. Et c'est difficile aussi. Donc il y a ce truc effectivement d'accouchement douloureux. Et en plus, ce sont des films qui sont faits en direct, on pourrait dire, puisque je tourne sur support pellicule, donc on fait pas beaucoup de prises. Tous les décors, tous les effets sont faits au tournage, donc tout ce que vous voyez est vrai, puisque je l'ai filmé tel quel. Donc j'utilise des rétroprojections, plein d'artifices remis au goût du jour, tu vois, on projette des collages numériques qu'on a fait animer, enfin j'utilise plein de choses, mais tout est là, il faut que je capte dans l'instant l'intensité et du jeu et de l'action, etc. Donc ça, c'est vrai que ça crée une tension supplémentaire, une concentration supplémentaire qui, selon moi, transparaît à l'écran, et ça participe à cette aventure filmique. Quoi. Et peut-être présente aussi dans l'intensité du jeu, parce que c'est quand même des films où les acteurs, les actrices surtout, il y a quelques acteurs, enfin, ce sont des actrices, ont une intensité de jeu des fois phénoménale, quoi. Oui, là je pense à une séquence qui était la dernière qu'on ait tourné en extérieur entre Paola et Elina. C'est vers la fin du film quand il y a une crise entre elles sous la pluie avec le cheval qui devient un peu dingue et elles roulent l'une sur l'autre comme ça, il y a une roulade sans fin. Et là c'était très très dur parce que c'était l'hiver juste avant Noël et il pleuvait déjà dans le lieu, mais on a dû en rajouter parce que pour que la pluie marque l'écran il faut vraiment en rajouter pas mal, et c'était très 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 dur, quoi. On a fait plusieurs prises et à un moment donné c'était plus possible, il fallait qu'on arrête. La deuxième partie de ce tango boueux entre mère et fille, on l'a tourné plus tard en studio, mais c'est ce qui était prévu, parce que je voulais que cette roulade dure et dure et dure de façon anormale. Et là, pour j'avais pas des kilomètres de terre hein, sur le plateau, donc j'ai imaginé un rouleau de terreux rocheux comme ça qui roulait sur lui-même, et les actrices étaient sur une tournette et roulaient dans l'autre sens, et moi j'avais la caméra comme ça et en faisant en sorte qu'il pleuve comme ça, et c'est comme ça qu'on a pu avoir cette espèce de valse entre les actrices qui n'en finit pas, qui dure de façon anormale, et elles qui sont là à tourner de façon un peu plus confortable que si ça avait été sur de la vraie pierre ou sur un sol de studio. Et voilà, ça a été une astuce. Mais elles ont retrouvé l'état dans lequel elles étaient quand il faisait froid. Parce que peut-être que tout le monde le sait déjà, mais sinon c'est quand même important de le savoir, c'est pas le cas de tous les réalisateurs. C'est toi qui cadres à ce moment-là, c'est toi qui tiens la caméra dans tous tes tournages. Oui. Non, mais ça ajoute encore à l'intensité, j'imagine, du moment de la prise qui est dans les films. C'est-à-dire que
T'es obligé aussi de faire l'effort physique d'être avec eux quand ça se passe. Sous la pluie, oui, ouais, oui, oui. Mais c'est cadré, c'est déjà c'est le langage du cinéaste. Hein. Le cadre, c'est poser le regard quelque part et décider de faire bouger la caméra pour la faire aller ailleurs à un moment. Donc ça, je pourrais déléguer, mais ça demanderait beaucoup d'explications. En fait, ça va. Ce que je veux faire, c'est plus simple pour moi de le faire, quitte à mal faire. Mais au moins, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même si ça va pas. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a personne entre moi et les actrices, quoi, et les acteurs. Enfin, je peux leur parler aussi, puisque comme je prends pas de son, enfin, je prends un son témoin, mais comme c'est pas du son direct, je peux me permettre de parler pendant les prises. Et après, j'ai vraiment l'impression de jouer. Enfin, c'est ma façon d'être moi-même actrice, acteur dans les films, c'est d'être avec la caméra, d'avoir ce regard porté. Même, c'est pour ça que j'adore aussi les regards caméra, parce que je sens que je suis avec elle, quoi, à ce moment-là. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Profitez-en. Oui. Bonsoir et félicitations pour ce nouveau film. Moi, je voulais déjà partager un peu un ressenti personnel quand je l'ai vu au cinéma, qui était que pendant la projection et à la fin de la projection, j'étais très déçu. Néanmoins, je n'ai eu qu'une seule envie, c'était de le revoir, parce que j'avais l'intime conviction que j'étais passé à côté de quelque chose. J'avais déjà vu tous vos précédents films disponibles, en tout cas. Voilà, et j'avais l'intime conviction que j'étais passé à côté de quelque chose. Et quand je l'ai revu en vidéo, je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas. C'était en fait la projection numérique sur un écran. Et avec un petit peu de recul, je me dis que c'est dommage de voir ce type de films qui sont très colorés, où il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de détails. Et d'ailleurs, je trouve que le rendu sur Blu-ray est meilleur que sur un écran, enfin très près, quoi. On n'a pas l'effet grille qu'on a. Et je voulais avoir un petit peu votre ressenti là-dessus, un petit peu sur la disparition de ces projecteurs anciens analogiques. Et voilà, de la magie du cinéma aujourd'hui qui n'est plus la même. Enfin, j'ai eu la même sensation, par exemple, sur Pacifiction, il y a quelques mois. Voilà, je voulais avoir votre ressenti là-dessus. Vous l'avez vu dans quelle salle ? Je l'ai vu à l'UGC. Ah mais c'est normal, il faut pas le voir. Il fallait aller le voir au Max Linder. En tout cas, c'était la plus belle projection pour moi, celle qui rendait le plus grâce au film, c'était au Max Linder. Écoutez, je sais pas quoi vous répondre, mais je sais quoi vous répondre. Déjà, c'est que je suis ravi que vous ayez revu mon film, parce que je fais des films pour qu'ils soient vus, mais surtout revus. Parce que c'est comme ça, moi, que je consomme le cinéma. C'est-à-dire, j'aime les films qui se donnent pas tout de suite et qui interrogent, déçoivent, questionnent, etc. Et on a envie d'y retourner. Et puis on y retourne et puis on se dit « Ah voilà, j'ai encore à manger, j'ai encore à boire ». Donc voilà, ça c'est un peu comme... ça c'est mon idéal cinématographique. Après j'aurais été ravi que vous soyez ravis à la première projection. Concernant la projection, moi je travaille toujours sur support pellicule, en tout cas pour filmer. Ensuite, voilà, la règle à l'heure actuelle, hein, c'est de finaliser les films pour qu'ils soient ensuite sur support numérique et projetés en numérique. Alors, on peut faire des copies 35, ce que je rêve de faire pour mes prochains films et même pour mes anciens films, mais ça veut dire que on passe du support numérique un retour au 35. Voilà, c'est une petite opération qui a un coût et qui peut paraître une fantaisie de cinéaste dans l'économie dans laquelle je suis. Mais je pense que c'est pas incompatible avec avec mon économie, que je vais essayer de faire ça dans les prochains films, donc le retour à la copie 35. Et peut-être faire ça avec ces films qui existent déjà. Voilà. Ça, c'est parce que j'ai dernièrement fait l'expérience sur un format plus court. C'est un film, un court-métrage expérimental que j'ai fait qui s'appelle Dead Flash, où j'ai fait un retour à la copie 35. Et c'est vrai que la projection, quand je l'ai vécu, m'a paru magique, émouvante, etc. Alors que j'avais aussi une copie numérique de ce film et
Et a priori, c'était la même chose. Donc il y a quelque chose de l'ordre du rite hein, dans la projection qui est intéressante. Après, moi, j'aime beaucoup l'hybridation. Donc, pour moi, c'est très important aussi de passer à un moment donné par la phase numérique, ne serait-ce que pour étalonner, même si je ne contredis pas les couleurs qui ont été mises en place lors du tournage. Mais j'aime beaucoup cet outil-là. Quoi. J'ai le souvenir d'étalonnage argentique. Et c'était un enfer pour moi parce que je devais discuter avec les étalonneurs qui s'occupaient de l'étalonnage argentique et ils en faisaient qu'à leur tête. Quoi. Enfin, c'était très très compliqué de contrôler ça et donc c'était une vraie tension, je me souviens. Et maintenant, avec l'outil numérique, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà. D'autres questions, oui ? Je me posais la question parce que ça fait du coup un univers qui est très plastique, très fort, et parfois même j'ai l'impression de percevoir des matières dans des couleurs. Et je me demande comment j'ai composé ces images-là, on dirait presque des illustrations ou des tableaux. Il y a vraiment. C'est presque illustré, quoi. J'ai l'impression de voir ça. Bah oui, il y a une dimension très, très, très plastique dans les images. Au départ, il y a des références, des collages que je vais faire pour définir l'univers, des croquis aussi. Et puis après, ça dérive forcément parce que je dois m'adapter à ce que je vois surgir. Dans les décors, je peux avoir des éléments que je n'avais pas prévus qui me semblent vraiment très beaux et très très intéressants. Donc je vais dire au décorateur, non, on s'arrête là, on va plutôt prendre cette... Donc je suis toujours en train de m'adapter à ce que je vois et ce que j'ai. Pareil, il y a des décors naturels qui m'apparaissent comme des évidences quand je les vois. Et pourtant, sur le papier, on n'était pas du tout dans ce type de décor. Donc j'adapte sans arrêt mon scénario ou mes désirs ou ma direction d'artistique à ce que je peux recevoir et voir de plastiquement intéressant sur le moment. Et après, je crée une espèce de cohérence plastique avec tous les postes, hein, que ce soit les costumes, les décors, etc., pour arriver à composer une image qui a une force plastique. Et à l'intérieur de cette image, les actrices et acteurs, c'est comme ça que je construis, c'est ma façon de composer. Mais je veux pas du tout figer le film, je veux pas faire des tableaux vivants. Pour moi, ça reste du cinéma, c'est du cinéma. Je me positionne pas du tout comme un peintre qui ferait des films, faute de mieux. Il y a une dimension plastique dans mes films, mais je suis pas un plasticien, quoi. Vous avez déjà voulu travailler dans le théâtre ? J'ai essayé. Enfin, on m'a invité au théâtre et j'en ai profité pour faire du cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est le détournement. On m'invite, je viens chez vous, puis j'en profite pour faire un film. C'était sur quel projet ? C'est un projet à venir. C'est Conan. Ah oui, Conan la Barbare. Conan la Barbare, oui. C'est plusieurs films, un long métrage et plusieurs excroissances filmiques, et une des excroissances a été deux des excroissances ont été faites aux Amandiers. Bonsoir, juste une petite question toujours sur les influences, en voyant les images derrière vous, moi je me demandais si dans votre panthéon d'influences possibles, John Boorman était présent, parce que Excalibur ou Bardoz m'évoquent le même genre de travail sur les couleurs, le flou, les fumées, ce qui permet de donner une texture incroyable avec des moyens Mais oui, bien sûr, j'ai oublié de le nommer. Et je suis un fan absolu de John Boorman. C'est un cinéaste, c'est un cinéaste très très important pour moi. Effectivement, Zardoz a été un film que j'ai pas mal regardé parce que c'était une tentative de science-fiction qui avait été assez mal accueillie à l'époque.
Je pense que la tenue de Sean Connery n'a pas aidé. Mais non, mais on en est resté vraiment à ce côté un peu nanar et tout ça. Mais moi, j'ai il a été revu à la hausse. Pendant longtemps, c'était des gens ricanés. Disons Sean Connery avec un catogan, des cuissardes, un slip et des cartouchières, grosse moustache, il y avait un truc qui passait pas. Et pourtant, ça fait vraiment sens dans le film. Et puis il y a cette tête en pierre qui vole au début du film. Enfin, il y a un jeu par rapport au Magicien d'Oz, hein, quelque chose qui obsède beaucoup les anglo-saxons, ce film. Mais bon, voilà, c'est comme toujours chez Borman. Il y a ce côté fable, ce rapport à la nature, ce questionnement sur l'humain. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'ailleurs, un de mes films favoris qui a jamais été réédité, c'est Léo The Last. Qui est vraiment, enfin, je vous invite à voir, qui est sublime. Et effectivement, Borman est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la couleur, beaucoup questionné la couleur, et notamment dans Point de non-retour, avec Lee Marvin, il a travaillé sur des camaïeux de couleur en fonction des lieux où était le personnage, c'est-à-dire son costume changé en fonction des décors. Ça, c'est quelque chose que j'ai piqué à Borman. Et le personnage d'Elina Levanson, dans le film qui passe derrière moi, et tout le barda qui est sur le cheval, changer de couleur, enfin en tout cas son pull et les dominantes de couleur, changer en fonction des lieux. Donc il y avait une version rouge, chaude, et il y avait une version verte, un peu plus froide. Et donc d'une séquence à l'autre, d'un plan à l'autre, en fonction du lieu dans lequel va être Elina, ses vêtements changent de couleur et tout le barda qui est sur le cheval également. Et ça, on le voit en réalité, on s'en rend pas compte. Non, c'est ça, on l'accepte parce qu'elle est habillée pareil. Parce que je veux dire, c'est la même tenue, hein, mais c'est quelque chose qui passe, quoi, qui ne jure pas. Et voilà, ça c'est un reste de John Borman. Ça. Non, c'est Borman, évidemment. S'il y a d'autres questions, interventions. Alors moi, je me demandais quel était votre rapport à la musique dans vos films, parce que à chaque fois il y a quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça, et surtout, est-ce que vous vous basez plus d'abord sur la musique et ensuite sur le film, et ça vous inspire? La musique est ma drogue, quoi. Hein. J'écoute de la. Enfin, j'ai tendance à partir très très vite en écoutant de la musique, hein, dans mon imaginaire, mon esprit. Donc, je me noie dans des écoutes de musique qui m'inspirent. Donc, j'écoute certains morceaux en boucle comme ça. Et à ce moment-là, mon esprit, mon imaginaire s'ouvre. Je prends des notes. Et c'est ce qui m'aide à avoir mes visions, en quelque sorte, enfin, en tout cas avoir des visions. Et ensuite, quand j'écris, je coupe la musique, parce que sinon, la musique a tendance à me faire croire que ce que j'écris est bien. Et je garde mon esprit critique. Ensuite, je travaille avec Pierre Desprats. J'ai travaillé avec Pierre Desprats sur Les Garçons Sauvages, sur After Blue et sur les films à venir. Et c'est à chaque fois une expérience différente avec Pierre. Sur Les Garçons Sauvages, il est arrivé après coup. J'avais composé une BO à partir de morceaux préexistants. Et Pierre les a remplacés les uns après les autres, s'inspirant des morceaux que j'avais placés, et a voilà, fait une proposition personnelle à chaque fois. Pour After Blue, donc on se connaissait déjà, puisqu'on avait déjà collaboré ensemble. Là, je lui avais fait une sorte de playlist comme ça, des morceaux qui m'avaient inspiré pour l'écriture du film. Lui les a écoutés. À partir de là, en lisant le scénario, il m'a fait une proposition musicale. Il m'a composé beaucoup, beaucoup de morceaux. Et ces morceaux, je les utilisais, moi, pour tourner. Alors là, je ne les faisais pas écouter aux autres membres de l'équipe. Hein, je gardais ces morceaux pour moi. Ultra Pub, je les avais diffusés, ça avait vraiment aidé pour certaines scènes. Là, je les gardais vraiment pour moi, je regardais les rushs avec, et puis je les écoutais avant de tourner, parce que ça me donnait un certain rythme, et ça m'aidait à plonger dans cet univers. Et après, au montage, une fois qu'on a fait le montage image, il y a la constitution de la bande-son, qui est un énorme travail
pour nous, puisque je dois reconvoquer toutes les actrices et acteurs qui ont joué dans le film pour qu'elles et ils se post-synchronisent à 100%. C'est-à-dire qu'ils et elles vont rejouer les scènes avec la même intensité, en mieux, puisque ça me permet aussi d'affiner des choses dans le jeu. Elles vont recréer toutes les respirations, tous les souffles, etc. On va bruiter tout, et même des choses qui n'existaient pas. On va, en son design, créer, c'était très important parce qu'on était sur une autre planète, l'atmosphère de cette planète. On a vraiment aussi designé les coups de feu avec je ne sais plus combien de strates, avec ça pouvait être un Cridien mélangé à je ne sais quoi. Et comme ça, on constitue la bande-son, et puis la musique arrive. Enfin, j'ouvre les vannes, quoi. C'est vraiment comme un fleuve qui va couler sur ce chemin qui est le film. Et là, la musique va venir dans le lit, quoi, des images. Et là, il y a un travail de dialogue avec Pierre où effectivement, il y a des choses qui se réajustent à ce moment-là. Mais voilà, et cette musique doit se confondre avec tout le reste de la bande-son. C'est-à-dire que ça, tout fait corps, quoi, le son et la musique composée par Pierre. Mais quand tu parles de ça à l'écriture, toi, quand, solitaire dans ton bureau à écrire, c'est déjà cette musique que ou c'est une musique tout autre? Ah non, c'est des sons. C'est une musique très différente. Ouais. D'accord. Et quel est ton catalogue? C'est quoi ton catalogue musical? Ah, tu veux que je fasse un top 10? Non, t'as pas des disques. Non, pas du tout. C'est la curiosité, ça. C'est des choses très différentes. Ton ambiance de travail. Ouais, ça évolue d'un film à l'autre. Vraiment, c'est des choses qui me hantent à ce moment-là, ou qui pour moi peuvent faire écho avec le sujet du film. Et je crois que j'en ai même pas la mémoire, si tu veux. Okay. C'est, je pourrais pas te dire exactement, je sais pas, peut-être qu'il y avait Vampiros Lesbos, je me souviens, la musique qui est incroyable. Il y avait plein de choses très différentes. J'ai le souvenir que souvent tu me disais que tu mettais des BO de musique de film aussi. Travailler quand tu écrivais. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de. Ouais. C'est beaucoup de choses atmosphériques. Ça peut être Tangerine Dream. Enfin voilà, il y avait beaucoup de musique comme ça, en tout cas pour After Blue. Et effectivement, les BO de film. Je suis un gros consommateur de BO de film parce que c'est ce qui a aussi fait mon éducation musicale, hein, puisque dans une BO peuvent cohabiter des morceaux de classique, des morceaux de pop, des choses réorchestrées, etc. C'est une auberge espagnole, quoi. Et c'est ce qui aussi ouvre l'esprit, peut ouvrir les goûts sur différentes musiques qui a priori ne viendraient pas à nos oreilles, quoi. Oui. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir du cinéma, et est-ce que vous pensez justement qu'un âge d'or est encore possible? on a jusqu'à... Non, on n'a pas de limite. À la fois, je suis pas très optimiste, hein. Mais quand je suis au plus sombre comme ça de mon pessimisme, il y a une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, et une lueur d'optimisme qui m'éblouit. Donc ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce que créent les plateformes, c'est-à-dire un cinéma qui n'est plus un cinéma pour moi, mais qui est une succession d'images avec du son formaté, où l'auteur est souvent gommé. Et en même temps, ce qui me donne espoir, c'est la foi que peuvent avoir certaines personnes dans le cinéma, la façon aussi dont les arts peuvent se réinventer, des supports abandonnés peuvent revenir au bout du jour. Enfin, je vais prendre pour la musique l'exemple du vinyle. C'était vraiment intéressant quand le CD est apparu. J'ai ce souvenir, j'étais très très jeune, et on vendait ça comme un support inaltérable, que le vinyle c'était fini, que ça ne valait rien, que c'était un truc en plus pas très beau à entendre, et c'était complètement bidon, c'était vraiment du marketing. Le CD, plus personne n'en achète, et le vinyle est revenu au bout du jour d'une façon absolument extraordinaire. Donc,
Ça, c'est des choses que peuvent pas prévoir les gens qui font du marketing, les techniciens, ceux qui essayent de nous vendre de nouvelles choses, etc. Donc, mon espoir, c'est que voilà, c'est que on essaye de détruire le cinéma, de le foutre à la porte et qu'il revienne par la fenêtre, quoi. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Paco? Parce que alors la mienne. Je peux pas dire du cinéma, non, je peux pas dire. Là où je suis tout à fait d'accord avec toi, et où ce qui est extrêmement complexe, et c'est pour ça que c'est pas la peine non plus de dramatiser à l'extrême les moments difficiles, c'est que les médiums artistiques ont toujours trouvé des moyens de se réinventer. Et quand bien même, à un moment, c'est un art qui était très très populaire, qu'il a cessé de l'être, il peut se réinventer autrement, dans un mode moins populaire, pour voir la poésie. La poésie surpopulaire au début du 19e siècle, Lamartine, Victor Hugo, etc. Et aujourd'hui, enfin bon, le premier où ça marche plus du tout, c'est Baudelaire, et pourtant aujourd'hui, c'est probablement un des poètes qu'on lit le plus avec Rimbaud. Donc, ça n'a pas de. Tout le problème, c'est l'articulation entre évidemment les moyens nécessaires pour produire une œuvre et donc du coup les moyens qu'on peut vous donner quand. Il s'agit d'une œuvre qui apparaît à une période où le médium lui-même est en difficulté, où il y a un danger dessus. Donc du coup, oui, bien sûr, c'est compliqué à ces moments-là de produire quelque chose si on attend que le film fasse, mettons, tant d'entrées. Mais il y a toujours des moyens de s'en sortir. Le truc le plus important, c'est d'avoir beaucoup d'imagination. Avec l'imagination, tout est réinventable à l'infini. Parce qu'en fait, l'imaginaire lui-même, il est inépuisable. Il y a tellement de choses qui n'ont pas encore été inventées dès qu'on regarde. Donc du coup, j'ai tendance à donner une réponse très globale et vaste, mais j'ai pas de réponse directe pour le cinéma. Et je suis content qu'il existe des réalisateurs comme Bertrand. Enfin, il y en a quelques autres, quoi, mais donc à partir de ce moment-là, j'ai pas d'inquiétude pour le cinéma, tant qu'il y a des bons réalisateurs. Non, garde bien le micro. Okay. Non. Tu me dises quand même deux mots sur ce que tu as pensé d'Afterloop, parce que tu as posé des questions, mais tu n'as pas vraiment dit voilà ce que le film a représenté, ce que tu as peut-être écrit sur Afterloop. Et puis la deuxième question, ça sera mon projet. Conan la Barbare, peut-être, sur lequel vous avez travaillé. Si, je sais pas si vous voulez. J'en parlerai quand ça sortira. D'accord, ok. Alors, première question, vas-y. Alors, pour After Blue, moi j'ai découvert, alors il y a toute une petite histoire par rapport à ça. On peut le dire, tu m'avais montré un peu en amont, tu l'avais terminé, mais c'était en amont de sa sortie, quoi. Donc j'avais découvert, en fait, il se trouvait que j'étais en train de terminer un livre qui est sorti depuis, qui s'appelle L'Enquête Infinie. Ah, c'était un gros livre. Mais j'avais beaucoup de temps, c'était pendant le Covid. Donc, dans L'Enquête Infinie, il y avait un chapitre qui était surtout sur Fellini, et un moment qui est basculé sur le cinéma de Bertrand. Et tu me montres le film à ce moment-là, et donc du coup, je te demande si tu es d'accord, parce que le livre sort un peu avant le film, de pouvoir citer vraiment textuellement certains dialogues. Et donc oui, tu me les avais redonné, je t'avais demandé de me les avoir donné. Donc en fait, le film était intégré au livre avant la sortie du film. Sur le moment, j'avais des scrupules parce que je me disais bon, je spoil un peu quoi. Et puis j'en avais parlé à mes complices de mauvais genre, François Angelier et Philippe Rouillet. Et Rouillet, je vais pas vous l'imiter, mais bon, il a une voix tellement extraordinaire, il a fait. On parle tellement peu des films, hein. Même si c'est avant qu'ils sortent, c'est très bien, il faut en parler encore et encore et encore. Enfin, un truc un peu comme ça, quoi. Faut jamais s'arrêter d'en parler. Donc, je me suis dit, ok, très bien, on y va. Peu importe. Et puis j'aurais eu mauvaise grâce de, je sais pas quoi, de dire, d'avoir des scrupules sur les spoils. Mais, non, mais ça m'avait beaucoup troublé. Et puis, en fait, moi, je suis surpris à chaque film que Bertrand fait, parce que j'ai l'impression d'aller un peu plus loin encore dans cette espèce d'espace qu'il crée dans ses films et qui, pour moi, a à voir avec, si je dois prendre des termes très, 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 comment dire, un peu pédants, dans la pensée traditionnelle indienne, on parle du monde de manifestations subtiles. Le monde de manifestation subtile, c'est le monde intermédiaire entre notre monde et l'au-delà. Parce que l'au-delà, il n'y a pas de forme.
il n'y a pas de forme dans l'au-delà, on n'est pas supposé traverser des terres, des machins, etc. Donc, il y a toujours un passage intermédiaire où on perd, normalement on est supposé perdre nos attachements, vous voyez, se délivrer de son sentiment d'identité, de se délivrer de ce qui nous raccroche encore à la terre et au monde, etc. Et donc il y a un monde de manifestation subtile qui contient encore beaucoup d'éléments de notre monde, qui ressemble un peu à notre monde, mais il est déjà légèrement transformé. D'abord, il est beaucoup plus psychique, il renvoie beaucoup plus à notre imaginaire qu'à la réalité, tel qu'il est décrit en tout cas. Et ensuite, bon, proche du monde des rêves, hein. Et ensuite, on voit qu'il est en perte progressive de réalité. Il perd en substance, lentement. Mais il est extrêmement plein émotionnellement. Très très plein émotionnellement. Puisque c'est le lieu, grand lieu de la purgation des émotions. Et tout ce qui fait qu'on était encore sur Terre, encore homme, etc. Et j'avais des émotions de ce genre, justement, dans les films de Fellini, dû à la présence des morts, quoi, la présence des fantômes. Et j'ai commencé à avoir ça avec... ton cinéma, et en effet avec Ultra Pulp. Mais Ultra Pulp, ça avait été un choc. Tu te souviens, tu me l'avais montré, mais j'en étais bouleversé. J'avais vraiment l'impression que tu avais mis un pied dans l'autre monde, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Et dans After Blue, pour moi, c'est quelque chose qui se perpétuait. C'est-à-dire que quelques scènes après scène, le passage de scène en scène, j'étais toujours un peu plus ébloui, mais l'autre référence qu'on pourrait avoir, mais pour moi je ne drogue pas, ça sera très artificiel de dire ça, mais c'est un trip, quoi. Vous comprenez? Enfin bon, c'est le truc de triper, d'en prendre plein la gueule, quoi. Et ça, oui, c'est très fort. C'est ce contraste dans After Blue qui m'a touché, c'est que dans les précédents, on va dire que il y avait une émotion poétique qui passait aussi par la cruauté, qui passait par la cruauté des personnages entre eux ou par la cruauté du récit, etc. Et dans celui-là, il y avait autre chose qui passait à travers justement le soin vis-à-vis des morts, et donc quelque chose de beaucoup plus thaumaturge, chamanique, qui est entré. Donc vraiment l'impression d'une plus grande familiarité avec le monde des morts. Et moi, ça m'avait vraiment vraiment bouleversé tout ça. Alors après, on avait déjà parlé avant, quand t'en parles aujourd'hui, moi ça fait beaucoup rire toujours ton truc contre le cinéma de vengeance, que t'en avais ras-le-bol, etc. Oui, aussi il y a ça, mais ça je m'en ai pas rendu compte en le voyant, mais c'était le truc, normalement c'est vrai, quand on est dans un film avec une ambiance de western, on s'attend à ce que, en gros, tout passe par là, quoi. Tout passe par ce type d'accomplissement. L'accomplissement, c'est le œil pour œil, dent pour dent, classique. Et là, ça passait par toute autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on explorait, bon, on va dire, un tout autre univers mental et spirituel. Et qui, en tout cas, me parlait énormément. Donc, touchait beaucoup. Et puis après, bon, j'ai pu voir en amont Conan. La suite. Mais là, c'est... Ouais. c'est une autre histoire. Après, je ne vais peut-être pas plus en parler que ça, parce que c'est... Non, ça vous reste à toi. Mais c'est pas tes parfums, voilà. Non, mais si tu n'as pas envie de parler de... Oui, je vais en parler avec plaisir. Hein. Mais c'est de dire que quand ça va sortir... C'est une interview, c'est l'enfer, le dernier. Là, le oui, non, mais quand ça va sortir, ouais. De quelle forme, voilà, bah, des choses assez factuelles. Conan de la Barbare, et puis il y a des excroissances, des films méta qui sont autour, qui ont poussé, et qui accompagneront ce long métrage. On ne sait pas encore comment, enfin, sous quelle forme, ce sera, tout sortira d'un coup, etc. Et ce que vous dites, oui, effectivement, en prenant le recul un petit peu sur cette, ce que j'appellerais une trilogie qui est Les Garçons Sauvages, After Blue et Conan, qui sont des films épiques, des films d'aventure, enfin qui jouent avec l'aventure,
La question du féminin aussi est vraiment très très présente dans les trois films. Et alors tout est relatif, hein, parce qu'il y a une part d'enfer dans Les Garçons Sauvages, mais je vois ça comme paradis, purgatoire, enfer, en sachant qu'il y a des vraies porosités entre l'enfer et le paradis, etc. Et voilà, ça serait, et je sens que j'arrive au bout d'un cycle aussi, que je vais devoir passer, ou j'ai envie de passer à autre chose aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Une chose aussi qui est amusante par rapport à, enfin qui est amusante, tout à moi qui m'a amusé et surpris par rapport à After Blue. Bon, le film est sorti après le deuxième Covid, à un moment où les spectateurs n'avaient pas le réflexe d'aller dans les salles encore. Et donc ça, c'était un peu dur. Mais par contre, ce qui a été vraiment très très surprenant pour moi, ça a été que le film a eu un accueil plus que favorable ailleurs, et notamment aux États-Unis où je me retrouve dans des festivals de genre à avoir des prix. Bon, mais ça, voilà, c'est des médailles, ça fait toujours plaisir. Mais en dehors de ça, il y a eu une vraie sortie sale aux États-Unis, et c'est, le film a pas trop mal marché, hein, dans son échelle de film d'auteur. Moi, j'étais vraiment surpris que ce western soit adopté, ce western qui refuse la vengeance, soit adopté sur le territoire américain, et la même chose en Angleterre, etc. Donc, ça aussi, ça me donne pas mal d'espoir, parce que la façon dont les films, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment dans le milieu du cinéma, hein, la rentabilité des films, ce mot horrible, mais voilà, en tout cas, c'est une question qui est posée. Et un cinéma d'auteur comme ça, exigeant, particulier, peut trouver et trouve son public peut-être plus facilement qu'un cinéma d'auteur lambda à l'étranger. J'ai des distributeurs fidèles, là il sort en Autriche dans quelques jours, il est sorti en Angleterre, Channel 4 l'a acheté, etc. Enfin, je vais pas vous étaler tout ça pour comme oui, non, mais, comme non, mais c'est important de dire qu'il y a la roue, mais pour dire que pour moi, je trouve ça très très bon signe de se dire mais voilà, on peut avoir des accrocher les spectateurs dans différents pays avec des films singuliers. Très bien, très bien. On va s'arrêter là, parce que ça fait... Oui, voilà. On va pas passer d'extrait, parce que en fait, on n'a pas arrêté le film, et puis le film a été présent, était là. On va faire la dédicace ici. Donc on a tous tes films, Bertrand, qui sont sur la table. Donc le Mandigo in the Box 1, le deuxième coffret, Ultra Pulp, Les Garçons Sauvages. Ici et After Blue. Voilà. Et on va rester là pour aller même des disques, je pense. Et des disques aussi, et des affiches. Il y a les livres de Bacom aussi. Voilà, c'est oui. Voilà. Mais il y a des livres qui sont là. Et j'ai besoin d'un feu. Ben voilà, on est en bateau. Voilà. Vous n'avez pas prévu. Merci Bacom, merci Bertrand. Merci beaucoup.